On quoi tu? Please be seated. Ah, on y le président, veuillez vous asseoir. The court is now back reprise in de l'audience. Session. I hand over the floor to the deputy national co-prosecutor. You may proceed. Je donne la parole au coprocureur international. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à tout le monde. Monsieur le témoin, je vais vous interroger durant cet après-midi concernant les événements qui se sont passés entre 1975 et 1978. Donc, il aurait été coupé. President, you may proceed, le président, maître Copé a la parole. I apologize. Maître I was wondering Copé. If there's any news in relation to additional statements, either DC Camp statements si or à statements coming from case 3 and 4. I was hoping that maybe during the lunch break the prosecution had time to investigate this, and I was wondering if there's any news on this. À ces questions. Voilà tout ce que je faisais savoir. Monsieur le Président, nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé plus de réponses que tout à l'heure. Nous n'avons au dossier que deux procès-verbaux d'audition devant les juges d'instruction. Il n'y a rien dans les dossiers 3 et 4 qui n'auraient pas été communiqués aux parties et nous n'avons pas non plus de traces d'interview données à DCCAM, ni sur le site, ni sur dans nos documents ou au dossier. Neither among our documents, nor on site, nor on the case file. So, Mr. President, I suggest that we continue on the basis of the records that were taken before the investigating judges. Donc je disais, Monsieur le témoin, so, je vais vous interroger maintenant. I'm going to question you. Tout d'abord, une précision. First, I need some clarification. Vous avez mentionné que you said, vous n'aviez pas de surnom ou de nom révolutionnaire dans votre procès-verbal d'audition E3/55/21. Mais vous occupiez une fonction officielle. Vous avez été chef de commune à Sri-Ronang. Comment est-ce que les gens ou les cadres à l'époque vous appelaient-ils lorsque vous travailliez dans la commune de Nianyang et dans la commune de Sri-Ronang? Answer. Thank you. Merci. At that time, I was referred to as Ta. À l'époque, on m'appelait as Ta. Est-ce que c'était un nom révolutionnaire? Was this a revolutionary qu'est-ce name? Que cela voulait dire? What did it mean? Answer. It was a very popular to refer to an individual by Ta or grandfather. Ta, grand-père. C'était très populaire de le faire. Est-ce qu'il est arrivé qu'on vous appelle Ta Niao? Were you called Ta Niao from time to time? N-O-U-V ou bien N-O-V? N-E-O-V or N-E-O-U. How Ta Niao? Answer yes, I was referred to as Ta Niao. On m'appelait Ta Niao. Monsieur le Président, je voudrais remettre trois documents au témoin. D'abord, c'est les deux procès-verbaux devant les juges d'instruction parce qu'on en aura besoin par la suite. Et également, un troisième document qui est le document E3/2452. S'agissant des procès-verbaux, il s'agit des documents E3/55/2 et E3/19.1.17. J'ai l'autorisation de remettre ces trois documents au témoin. Do you give me leave to provide these three documents to the witness? President, you may proceed. Le président, je vous en prie, maître. Alors, la première question
que je vais poser, the first question témoin, I'm going to put to you, witness, regards document E3/2452, est une mauvaise copie, je l'admets, is a poor copy, d'un, I must say, d'un document manuscrit. Of a handwritten document. Et je vais lire les and IRN pertinents. En Khmer, c'est 00027-09-98. En anglais, 00843033. Et en français, 00087283636. Il s'agit du bas de la page en français. In French, this regards il s'agit d'un rapport so this is a report, partiel a partial report, qui est daté du 8 octobre 1977, qui a été établi à Sreyronon et qui est signé par un certain Nov. N-O-W. Ce rapport est relatif à une personne this du peuple nouveau to a new, qui s'appelait to a person from the new people named Sen Keo, venant du district 109, district 109, qui a déserté son unité de Sreyronon et qui s'est rendu à Leybo pendant deux jours. Days, Monsieur le témoin, est-ce que so vous witness, pouvez me dire si il s'agit de votre signature? If this is your signature here at the bottom of the page, on parle d'une personne qui a signé qui s'appelait No. We're speaking here about a person who signed by the name of No. Is that you? Answer. I could not recognize it and as for the handwriting, is not my handwriting. Je ne reconnais pas ce document et ce n'est pas mon écriture. Est-ce qu'il y avait une autre personne was there qui travaillait another person à la commune de Sreyronon, at Sreyronon commune, invité à faire des rapports qui pouvaient s'appeler draft No, reports N-O-V. And who may have been called No, N-O-V? Actually, there was no other person. Perhaps il n'y avait pas d'autre another personne one répondant wrote à ce nom. This letter. Mais peut-être que quelqu'un he d'autre a écrit cette lettre. Probably a clerk. C'était peut-être quelqu'un qui était chargé d'écrire les rapports. Bon, j'en viens à autre chose. Now vous I'd avez like to speak about something else. À votre, dans votre procès-verbal d'audition E3/5521, you said, je pense que votre avocat va vous aider à trouver à la réponse 21. Vous avez dit ceci. On m'a ordonné d'être responsable du secteur de la collecte des vivres. Head of the supply sector. Back then, j'allais quémander de la nourriture, du riz décortiqué, du poisson, fresh rice, fish, de la viande et des légumes dans les villages in the villages pour les envoyer sur le front avant. To provide these to the front lines. À part tout cela, j'étais chargé d'archiver et de tenir les registres dans le bureau de la commune de Nyangnyang. Records in the commune of Nyangnyang. Fin de citation. End of quote. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consistaient les archives et les registres du bureau de la commune de Nyangnyang? Quels documents étaient conservés dans ces archives et ces registres? Thank you. Merci. Keeping records, it concerns the economics, the expenditure, l'archivage, and also the consumption of fish, les dépenses, meat, vegetables, and how much the food supplies Par exemple, we got from the villages, and how much food supplies we sent to the front line. So we, I kept all the records. Donc c'est cela qui devait être archivé, c'est moi qui m'en occupais. D'accord, ça c'est pour l'archivage. Fine. Concernant les registres, now, regarding the records, quels registres tenez-vous? Which records would et you pouvez-vous keep? Nous en donner and des détails? Can you provide us with some detail? Answer. I told you already. That's what je vous l'ai déjà dit. Records, I would keep les archives. The supply used servait à savoir ce qui avait été utilisé.
Est-ce que les rapports et les correspondances entre la commune de Nanyang et le district étaient conservés dans les archives? Were also kept in these records? Answer. After I wrote in the records, I would send the records to the upper level. À l'échelon supérieur. Et les documents qui venaient de l'échelon supérieur. And what about the documents coming from the upper level? Est-ce que vous les conserviez dans les archives? Would you keep these in the records? Answer. For the records from the upper levels, they would be kept by the chief of the commune. Les archives de l'échelon supérieur étaient gardées par le chef de la commune. Tout à l'heure, vous avez dit que les listes avaient été dressées. Il y avait une liste pour les 17 avril there was a list et une liste for pour le peuple de base. People and a list for base people. Est-ce que ces listes étaient conservées par vous-même dans les archives by yourself, ou bien in the archives, par le chef de la commune? Or were they kept by the commune chief? Answer. The commune chiefs. Kept all the statistics. C'est le chef de la commune qui conservait toutes les statistiques. Et qui était chargé au sein de la commune and d'établir ces listes? In the commune was in charge of drafting these lists. Des gens travaillant à la commune, were these des people miliciens working ou d'autres for personnes? The commune or militiamen or other people? There was another register. He or she was the clerk of quelqu'un the commune, and I was only in charge of the femme, economics. Et moi, je ne m'occupais que des affaires économiques. Est-ce que vous êtes resté en charge de ces archives et de ces Did registres économiques remain in charge of jusqu'à these archives votre départ de la commune de Nanyang you left en the 1977? But answer yes. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement Can you tell à quelle us période exactly en 77 vous avez rejoint la commune de Sri Ronong? You went to Sri Ronong commune. Maka khom to kan khom Sri Ronong. Answer when I went to be in charge of Sri Ronong commune, I did not recall it exactly. Perhaps it was in late 1977 or early 1978. Pour en revenir à la commune de Nanyang, getting back to Nanyang commune, dans le bureau, when you were working at the office over there, alors, vous avez dit, you said, c'est le procès-verbal d'audition E3/55/21 à la réponse 22. Vous avez dit c'était Boon Si qui était le secrétaire de la commune de Nanyang. Est-ce que vous pourriez nous dire si ce Boon Si est resté longtemps chef de Boon commune chief for a long et time, si quelqu'un d'autre a pris sa place someone else replaced him afterwards? Boon Si remained the commune chief until 1977, and later on, he was transferred to Kampong Cham province. Il a été transféré dans la province de Kampong Cham. After that, Ta Sun suite à quoi was the one who replaced Boon Si. L'a remplacé. Est-ce que vous connaissez un certain Do you know Min, a son named Min, M-E-A-N, au sein de la commune de Nanyang? Who was et si oui, quelle fonction occupait-il? And if you
did know him, what was his position? Answer, I knew this person named Mien. J'ai connu cette personne, I left Mien. That place already. Actually, Mien was the deputy of the commune. J'étais déjà parti. C'était en fait l'adjoint de la commune. Très bien. Fine. Dans le même procès-verbal d'audition, à la réponse 29, et vous nous avez dit ça tout à l'heure également, vous avez dit au début, on n'a pas rédigé de biographie d'aucune sorte. Et vous parlez donc des personnes du 17 avril. And you're speaking about the 17 April people. Et ensuite, vous dites par la And suite, il est possible qu'on les fait on, sans doute. It might have happened. Je voudrais savoir, so parce que la like réponse est un petit peu ambiguë. The answer is a bit ambiguous. Est-ce so que les biographies des gens du 17 avril, donc des évacués de Phnom Penh, ont-elles été établies ou non dans la commune de Ninh Niang? In Ninh Niang commune. Answer. Actually, there was the information, there was an announcement that those who had been soldiers or had worked in the previous regime, they had to admit, and after that they would be allowed to return back to work. Se signaler et qu'ensuite ils pourraient retourner au travail. Justement, pour clarifier les choses à ce niveau-là. Indeed, in order to provide some clarification regarding this. Avaient répondu à l'annonce positivement en disant qu'ils étaient d'anciens militaires, d'anciens enseignants, des fonctionnaires sous le régime de Lon Nol. Que leur est-il arrivé quand ils étaient dans la commune de Ninh Niang en 1975? Answer. After their responses, some remain at that place, but some others disappear. Et d'autres disparaissaient. Est-ce qu'on leur a dit au moment de cette annonce? Ils pourraient récupérer that, leur poste. Est-ce qu'on leur a dit qu'ils devraient se rendre à un autre endroit and that they simply had to go to pour offrir leur service au nouveau order, régime? To offer their services to the new regime. They told that those who were those who were former soldiers, or those who had been in the previous regime, they would be allowed to go back to work. Ils auraient le droit donc de se remettre au travail, de retrouver leur fonction. Pour ceux qui n'avaient pas répondu à l'annonce, what about qui avaient donc caché qu'ils étaient d'anciens soldats, d'anciens fonctionnaires, d'anciens enseignants. Former servicemen or que leur arrivait-il lorsqu'on découvrait qu'ils avaient menti when it was discovered et qu'en fait, c'était d'anciens fonctionnaires du régime de Lon Nol? For those who concealed their backgrounds and if ceux they did not pose any danger to the revolution, they were not mistreated. And for those who opposed the revolution, régime, they would be sent eh bien, for re-education. Par contre, ceux qui s'opposaient au régime étaient envoyés en rééducation. Est-ce que vous savez ce qui se passait quand on découvrait when qu'il y avait parmi les 17 avril de hauts gradés militaires ou de hauts fonctionnaires? Est-ce que ces personnes-là aussi ont été encouragées à dire qu'ils avaient occupé ces postes sous le régime de Lon Nol?
Answer, as I said already, for those who were former officials, if they had any activities against the, if they did not oppose to the revolution, they did not do anything on these people, but for those who opposed the revolution, they would be sent for re-education. Mais pour ceux qui s'opposaient à la révolution, eh bien, ils étaient envoyés en rééducation. Monsieur le Président, je voudrais faire remettre, au moins temporairement, au témoin un procès-verbal d'audition du témoin 2 TCW 822, de TCW 822, c'est le procès-verbal d'audition E319.1.3.2. Je vais le remettre et lui poser des questions. I'd like to give him this record and then ask him questions about it. President, you may proceed. Le président, allez-y. Merci. Alors, monsieur le témoin, thank you. Je voudrais vous demander de regarder la deuxième page de ce document, look at the second page of this document et de ne pas prononcer le nom and de la personne do not speak out the name que of vous the voyez. Person you see here on the page. Et pourriez-vous nous dire, à la chambre si vous avez connu cette personne if you knew this qui travaillait au bureau du district this de Tram who worked at the Tramcock district office. Et en particulier, je crois, au bureau du commerce and in particular, de Tramcock. At the Tramcock Commerce, Office of Commerce. Answer, I did not know this individual. Je ne connaissais pas cette personne. Ce n'est pas très grave, je vais vous faire réagir That's à ce que cette personne problem. A dit I'm going to have you à react la question to what this person 113. Said, in answering question 113. Si vous tournez les pages jusqu'à la question 113. Yes, please go to question question. 113. Que savez-vous du massacre des soldats de Lonnol et de leurs familles dans cette province de Takeo? Soldiers and their families in Takeo Réponse. Province. Answer. Les Khmer Rouges ont the alors Khmer proclamé Rouge leur victoire. Claimed their victory. On a conquis Phnom Penh. We conquered Phnom Penh, they said. Ensuite, and then, ils ont expulsé les habitants de Phnom Penh they expelled the people et les ont déportés dans la pagode Champa Leuk, Champa qui se trouvait pagoda, à l'ouest, which was à to 3 the west, km de Angkasom, district Angkasom, de Tramcock. In Tramcock district. Ils ont demandé aux officiers gradés de l'ancien régime de s'inscrire sur une liste list pendant 7 jours. Which was open for 7 days. Une fois que ceux-là se sont manifestés, ils les ont fait disparaître list, sans laisser de traces. They, were et ont ainsi décimé des centaines et des milliers d'officiers gradés jusqu'à extinction. And hundreds and thousands of them were decimated in this way. End of quote. Lorsque vous dites que dans votre commune, so when you say that in your commune, on a demandé aux militaires, aux enseignants et aux fonctionnaires, anciens fonctionnaires de se signaler. Est-ce qu'on leur a demandé de s'inscrire sur une liste pendant un certain temps? Were they asked to sign up on a list for a certain period of time? Answer. For this matter, I was not aware of it. Je n'étais pas au courant. Vous n'avez donc pas entendu parler des événements qui se sont passés à la pagode de Champa Leuk, près d'Angtasom, après l'évacuation de Phnom Penh. Pagode Angtasom. At that time, I mostly remained in the office, and people, if people were gathered,
and place in Jamkale Pagoda. I was not aware of it. As Jamkale and the office that I was in was about 10 kilometers away. I simply knew that people were brought into the commune. Tout à l'heure, vous avez dit que ceux qui s'opposaient au régime disparaissaient. Qu'entendez-vous par s'opposer au régime? Vous pourriez donner des précisions, des exemples d'opposition au régime. Can you give us any specific examples by way of illustration? Thank you for asking this question. Merci de me poser cette question. Those who oppose the regime, it means that they did not agree or they disliked the revolution or they reacted to the wording of the organization. Qui réagissait par rapport à ce que disait l'organisation. Y en avait-il beaucoup parmi les gens du 17 avril? Were there many people among the 17 April people who were opposed to the regime? There were only a few. Mostly those people participated in the cooperative actively. Et parmi les gens du peuple de base, est-ce que les gens étaient contents de travailler dans des coopératives, de ne plus avoir de propriété privée et de manger collectivement? Est-ce qu'il y en avait qui disaient ouvertement qu'ils s'opposaient au régime? And not to be openly opposed to the regime? In fact, at that time, in general, there was no one who opposed. De façon générale, personne ne s'opposait. Of course, everybody found it difficult in the living condition, in taking the communal meal, even myself, but we did not dare to express it out. Moi-même y compris, mais personne ne le disait. Je vais revenir avec des exemples plus concrets tout à l'heure, notamment des rapports concernant des personnes qui s'étaient plaintes, qui s'étaient opposées. Mais avant cela, je voudrais vous montrer un autre extrait d'un procès-verbal d'audition d'une personne qui a été entendue par les juges d'instruction, et c'est le document E319-12.3.2. Je voudrais vous remettre temporairement ce document et vous poser les mêmes questions qu'avec le document précédent, c'est-à-dire savoir si vous connaissez cette personne. I will ask some questions on certain persons and find out whether you know those persons. Yes, you can proceed. Président, allez-y. Je vous demande de regarder le nom de la personne qui a été interrogée par les juges d'instruction, de ne pas dire son nom, mais de me dire si vous connaissez cette personne qui aurait joué un rôle dans le district de Tram Kak et dans une de ses communes. Tram Kak district and in one of its communes. No, I do not recognize these individuals. Je ne reconnais pas cette personne. Est-ce que vous êtes certain, monsieur le témoin? Are you sure, Mr. Witness? C'était une personne relativement connue dans le district. Donc cela m'étonne un petit peu. Est-ce que vous confirmez que vous ne la connaissez pas? So I am somewhat surprised to hear you say that you did not know that person. Mm.
I apologize as I could not read the name in my previous statement. Now I believe I recognize this person. And I apologize for my previous statement because my eyesight is rather poor. Est-ce que cette personne a été chef de commune durant le régime chief? Oui ou non? During the democratic Kampuchea regime or not? Yes, the person was the commune chief. Oui, c'était le chef de la commune. Très bien, je vais vous lire questions et réponses 254 et 255 de ce document. Et je vais citer ce passage en anglais, parce qu'il n'y a pas encore de traduction française. Question 254. When the commune chiefs began to collect biographies from the people and found someone who had been involved in the Lon-Nol regime, what happened to those who were associated with the Lon-Nol regime? Answer 254. Immediately when the Khmer Rouge regime began, they commenced making biographies of people who used to be teachers, policemen, or civil servants in the Lon-Nol regime. Then they sent all of those biographies to the upper echelon. That was an order from the upper echelon. Question 255. To your knowledge, what happened to those who had been involved in the Lon-Nol regime? Answer. After the biographies were sent to the upper echelon, they provided the names of those people to me. Then I ordered the arrests of those people and sent them to the upper echelon. Some were able to return, some could not. The arrested ones were mostly soldiers and policemen. Not many teachers were sent there. End of quote. Alors, ici on voit que ce haut cadre du district de Tramkak et chef de commune a dit que les biographies étaient établies par la commune concernant les enseignants, les policiers ou les fonctionnaires de Lon-Nol et qu'elles étaient transmises à l'échelon supérieur. And that they were sent to the upper. Et après cela, l'échelon supérieur demandait au chef de commune d'arrêter les gens impliqués dans le régime de Lon-Nol et de le renvoyer. Est-ce que cette procédure vous rafraîchit la mémoire quant à ce qui s'est passé dans votre commune de Ningyang après l'évacuation d'avril 1975 et donc après l'arrivée de ces personnes dans le district de Tramkak? And following the arrival of those persons in Tramkak district. I worked with the economics at the office. As for such list, it was dealt with at the commune, and in particular, it was the commune clerk. For me personally, I never took any biography of those former soldiers or civil servants of the previous regime. Ou fait de biographie pour ces soldats ou ces anciens soldats du régime précédent. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous avez appris ou entendu qu'effectivement les biographies étaient dressées et qu'une fois que ces biographies étaient analysées au niveau supérieur, certaines de ces personnes dont les biographies avaient été faites étaient arrêtées? Some of the persons whose biographies had been established were arrested. Mm.
I do not understand your question. Please rephrase it. Mais je vais essayer de la simplifier. Est-ce que vous avez appris ou entendu, lorsque vous travaillez au bureau de la commune de Nyingnyang, que des biographies d'anciens policiers, enseignants, fonctionnaires de l'ONNOL étaient établies, transmises au niveau du district, et puis que sur la base des instructions du district, ces personnes étaient arrêtées par la commune. I only heard about that, but I did not witness it. I heard that the biographies were made. Bien, je vais vous poser des questions maintenant qui concernent à la fois la commune de Nyingnyang, que celle de Sri Ronong, Dangta Som et même l'ensemble des autres communes. Ces questions vont porter sur l'année 1977, deux ans après que les évacués de Phnom Penh soient arrivés dans le district de Tram Kok. Je vais d'abord lire un extrait de votre procès-verbal E3/55-21, réponse 57-60. Réponse 57, je passe le début. Je cite. Durant les réunions, on a parlé des purges qui devaient être faites à l'égard des ennemis internes et des ennemis externes qui avaient de la sympathie pour les partisans de l'ONNOL et les gens qui se trouvaient dans les rangs du parti et qui avaient des mauvaises tendances devait également être l'objet de purges. Même dans ma position de chef de la commune, j'avais peur parce que j'avais peur de m'écarter de la voie du parti. Les ennemis qui étaient à l'intérieur des rangs, c'était les cadres mêmes. Quant aux ennemis externes, c'était les habitants ordinaires. Question 58. En quelle année ont eu lieu les réunions qui ont parlé des purges? Réponse. Elles ont eu lieu au cours de l'année 77 ou de l'année 78. Même quand j'étais dans la commune de Sri Ronong, il y a eu ce genre de réunions également. Question 60. Est-ce que la décision d'arrêter des gens était issue du district ou de la région? Et vous avez répondu, c'était sans doute à l'échelon de la région et de la zone. Fin de citation. Et pour être complet, je vais lire l'extrait de l'autre procès-verbal d'audition que vous avez donné au juge d'instruction, qui est le document E319.1.17. Question 16 à 18. Question 16. Saviez-vous s'il y avait des réunions au cours desquelles il était question des purges des ennemis? Réponse. Oui, il y en était question à la réunion au niveau du district ou de la région. Réponse 17. J'ai successivement assisté à des réunions au cours desquels il était fait mention que les cadres fautifs ou réticents à suivre la ligne du parti devaient faire l'objet des purges. Qui a parlé des purges et qui a ordonné les purges? Réponse. L'ordre est venu de la zone et transmis aux régions et aux districts. Fin de citation. Monsieur le témoin, en tant que cadre de la commune de Nyingnyang, puis le chef de la commune de Sri Ronong, est-ce que vous avez régulièrement assisté à des réunions au niveau du district de Tram Kok? Si oui, combien de fois, par an ou par mois? Merci.
When I was at Nha Nho, I did not have the authority to attend such a meeting. However, when I was at Srai Runung Commune, I attended the meeting at the district level as well as at the sector level. Such a meeting was held at least once a month. On the issue of decision-making process for the purchase, and allow me to say it frankly, the commune did not have a role to play, only the sector or the zone who has the authority to authorize for the arrest and subsequently the smashing. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre Can you tell the chamber, à combien de réunions du district 105 ou du secteur 13 ont été discutées la question des purges des ennemis, en ce compris les purges des personnes qui avaient des liens avec le régime de l'ONOL? Est-ce que c'était fréquent? In the meeting, when I was promoted to the commune in 1978, I attended those meetings. J'ai participé aux réunions. During those meetings, what I spoke of were on the agricultural production, that is, to obtain 3 tons per hectare of rice yield. Un rendement de 3 and tonnes if par a, hectare pour le a leader in those fields could not reach that quota, si then that person shall be removed. Si un dirigeant n'arrivait pas à atteindre ce quota, alors cette personne était enlevée. D'accord, mais vous avez dit aussi que durant les réunions, on avait parlé des purges à l'égard des ennemis internes et des ennemis externes qui avaient de la sympathie pour les partisans de l'ONOL ou qui avaient de mauvaises tendances. Vous souvenez-vous de qui exactement au niveau du district ou du secteur a parlé des ennemis ou a parlé de ces purges? Est-ce que vous pouvez donner les noms des chefs qui en ont parlé? Give us the names of the chiefs who talked about that. The chief of the sector at the time was Ta Saum, but I do not know his full name. Mais je ne connais pas son nom en entier. And later on, it was Ta Prak. Oui, c'était Ta Prak. But subsequently, Ta Prak was arrested. Mais Ta Prak a ensuite été arrêté. And for the sector, Taron came to replace Ta Prak. And since Taron rose through the sector chief, I never attended any meeting with him, and I also never saw him in person. D'accord, mais vous avez dit avoir very well participé en deux occasions à l'Assemblée générale annuelle du secteur 13. C'est ce que vous avez dit la réponse 1 de votre procès-verbal E319.1.17. À ce moment-là, pour ces assemblées générales, qui parmi Ta Somme, Ta Prak, Ta Ron présidait ces réunions-là? Chair those meetings, or that particular meeting, Ta Prak, Ta Ron. That meeting was later by. Cette réunion s'est tenue. Ta Saum. Sous la houlette de Ta Saum. Bon. Very je vais well. Vous montrer un certain nombre de documents.
tous en même temps, parce qu'au dossier se trouvent des documents qui proviennent de chaque commune ou presque du district de Tramkak, qui ont trait à l'arrestation d'anciens militaires gradés ou des fonctionnaires du régime de l'ONU. Je voudrais vous poser des questions à propos de quatre de ces documents que j'ai sélectionnés et que je voudrais vous remettre et afficher également à l'écran avec l'autorisation de la Chambre. Il s'agit des documents suivants. E3-2048 E3-24-3-2 et E3-24-5-0. Monsieur le Président, est-ce que je peux lui remettre et également demander l'autorisation d'afficher ces documents progressivement à l'écran pendant que je vais les résumer. Have these documents placed on the screen as well. President, yes, you may proceed. Alors, commençons par celui qui est au-dessus. E3-2048, à la page en Khmer 00079-0089. En anglais, 00-27-6-5-6-2-6-3. Et en français, c'est la page 2, 00-61-16-5-9. Alors, c'est un rapport qui a été établi par Meun de la commune de Qingtong et qui a adressé le 30 avril 1977 à la direction de l'Ankar du district de Tramkak et qui dit ceci, je cite, « À propos de la situation des ennemis qui se trouvent dans ma base, après avoir reçu les recommandations successives de l'Ankar concernant la vigilance à l'encontre des ennemis et le nettoyage des soldats des ennemis qui étaient dégradés, on a surveillé, examiné et identifié les personnes ci-après. » Fin de citation. Deuxième document, c'est la même référence, mais une page différente. E3-2048. C'est deux pages plus loin en Khmer, 00-07-90-91. En anglais, 00-27-6-5-6-4. Et en français, page 4. À l'IRN 00-61-16-61. Il s'agit d'un rapport de la commune de Tapem envoyé à la même période que le premier rapport. Ici, il s'agit du 28 avril 1977, qui dit que la commune avait, je cite, après avoir reçu les recommandations du parti, examiné et nettoyé les ennemis qui étaient dégradés. Fin de citation. Le document suivant est le document E3-2917, page en Khmer 000-79-09-09-09-0. Je crois qu'il y a une erreur, mais I believe there is an error somewhere. En anglais, c'est 00-74-28-9-0. En français, 00-81-05-74-74. En tout cas, vous avez une seule page, je crois, devant les yeux, monsieur le témoin. Il s'agit d'un rapport de la commune de Koppel qui dit ceci le 4 mai 1977, quelques jours après les deux autres rapports. Il dit, je cite, « Le nombre de familles de militaires décédés
ou éliminé par l'ANCA, ce chiffre à 106 familles, soit 393 personnes. Fin de citation. Ce rapport dit aussi que la commune essaye d'identifier parmi d'autres familles s'il s'agissait de militaires ou non. Quatrième et avant-dernier rapport, celui qui porte le numéro E3-2432, c'est une page unique. C'est une liste qui est datée du 18 avril, qui a été établie par la commune de Ningyang et qui identifie 11 anciens militaires gradés de l'ancien régime qui vivaient à Ningyong à l'époque. Et cette liste comprend deux commandants, c'est-à-dire majors en anglais, cinq lieutenants, en anglais on dit first lieutenant, et quatre sous-lieutenants, en anglais on appelle ça second lieutenant. Et enfin, dernier document, E3-2450, en Khmer 00270747-46, en anglais 00-32-21-61, et en français 00-62-37-47. Il s'agit là d'une lettre du chef de la commune de Ningyang, Chief of Ningyang Commune, ou de son adjoint, qui s'appelle Men, M-E-A-N, qui est adressé au chef du centre de sécurité de Krangtachan et qui identifie trois anciens officiers de l'armée de Lonnol arrêtés dans cette commune, deux lieutenants, un sous-lieutenant. Et ces personnes ont été envoyées au centre de sécurité à la suite d'une décision de l'ANCAR. Le document dit ceci, je cite, « Concernant leur faute, il n'y a rien de grave à signaler. Ces gens-là ont été arrêtés parce qu'ils étaient des gens de haut rang. » Fin de citation. Alors, j'ai quelques questions à ce propos. Est-ce que ces cinq extraits de quatre documents rafraîchissent votre mémoire quant au fait que les communes faisaient des rapports sur les arrestations et sur le nettoyage des militaires gradés de l'ONOL? You refer to another commune which was not under my management. Qui n'était pas sous ma gestion. Because what you read that happened in that Ningyang commune was after I already left. Mais après mon départ. Est-ce que lors des réunions ou lorsque vous étiez chef de votre commune, or when you were commune chief, de Sri Ronan en 1978, est-ce que lors des réunions, vous avez donné des instructions précises sur des rapports qui devaient être faits concernant ces anciens militaires gradés de l'ONOL? When I went to Srai Ronong commune, the previous commune chief had already conducted the purge. So when I was there, I did not make any arrest of anyone, and that happened in 1978. Très bien, mais ici j'ai cité un certain nombre de rapports d'autres communes. A certain number of reports coming from other communes.
Il y avait d'abord la commune de Cheng Tong, c'était un rapport du 30 avril 1977. La commune de Tapem, un rapport du 28 avril 1977. Commune de Popel, 4 mai 1977. Commune de Ningyang, 18 avril. Pas d'année qui est mentionnée. Et donc, ce sont des rapports établis par différentes communes à la même période. À cette période-là, vous avez dit que vous étiez toujours à la commune de Ningyang. Et là, tout de suite, vous nous avez dit que tout cela avait eu lieu une fois que vous étiez parti de la commune de Ningyang. Est-ce que lorsque vous étiez encore à la commune et avant d'arriver à Sri Ronang, vous avez entendu parler du fait qu'on nettoyait les ennemis qui étaient dégradés dans l'armée de l'ONOL? The high-ranking of officers in the L'ONOL army were smashed. That the document was made in Nianyang. At that time, I was in charge of the economics, and the commune chief was another person. And they did that work without informing us working in the commune office. Est-ce que le terme nettoyage does the word sweeping clean a souvent été utilisé lors de réunions et que was it often dire à l'époque des Khmer used during meetings, and what did it mean during the Khmer Rouge period? The expression to sweep clean l'expression balayer means proprement to purge within the rank. Vous voulez dire qu'il fallait purger that is les rangs, those who were disloyal to their party. Et cela concernait ceux qui n'étaient pas loyaux envers le parti. Even if the person was a commune chief or a member of the commune committee, il s'agisse d'un they would be subject de la to being purged as well. Tout le monde I être myself was very concerned, so I tried moi-même, to work as hard as the ordinary villagers. Possible, I participated in ordinaires. Gathering natural fertilizers, in achieving 3 tons per hectare of rice produce, etc. À l'objectif des 3 tonnes par hectare, etc. Pour être tout à fait clair, quand vous dites balayer proprement, nettoyer, cela voulait dire purger les rangs? Est-ce que cela voulait dire que ces personnes étaient éliminées? People in rings were arrested so one after another. Ces personnes étaient arrêtées l'une après l'autre. Et savez-vous, une fois qu'elles étaient arrêtées, quel était leur sort? Est-ce qu'on les revoyait? Did you know what would happen to them? Were these people seen again? In general, we could not see them return to the place. On ne les voyait pas revenir. Sranong, Takon was removed, and I ainsi était retiré. Never saw him again. Et je ne l'ai plus revu. Je voudrais citer, sans vous remettre de documents, simplement le témoin de TCW 860, dans son procès verbal d'audition E3/55/11, à la réponse 9, il a dit ce qui suit, simplement pour donner le contexte, c'était le chef adjoint d'un hôpital du district de Tramkak. Donc à la réponse 9, il a décrit une assemblée de district durant laquelle les cadres étaient informés des catégories de personnes qu'il fallait purger. Et il a dit ceci, je cite, les habitants qu'on a décidé d'exécuter faisaient partie de l'armée.
à partir de ceux qui avaient le grade d'adjudant. Officers from the rank of warrant officer. Quant à ceux qui ont travaillé dans l'administration, à partir du poste de premier adjoint, ils devaient être exécutés. People from the rank of first assistant above had to be executed. Donc vous dites que la purge de Asrei Ronan, the purge of Asrei Ronan, avait déjà été faite lorsque vous êtes arrivé. Est-ce que vous-même, vous avez assisté à une assemblée de district, où on a déterminé quelle catégorie de personnes parmi les anciens militaires et fonctionnaires de l'UNOL devaient être purgés? I did not recall it well. Je ne m'en souviens pas très bien. At that time, I was in 30s, and now it was it has been over 30 years from the event, and I did not recall it. Je ne m'en souviens pas. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une assemblée au niveau du secteur 13 qui avait été présidée par Ta Som. En quelle année Ta Som a-t-il présidé une de ces assemblées à laquelle vous avez assisté? In 1977 and 1978, he chaired the meetings in 1977 and 1978. Est-ce que c'était chaque fois Ta Som qui présidait ces réunions, tant en 1977 as well as in 1978? Tout à l'heure, vous nous avez dit que Ta Som avait plusieurs successeurs, dont Taprak et Tarak. People who followed him, Taprak and Tarak, for example. Est-ce que vous confirmez que Ta Som était présent à ces deux assemblées? Can you confirm that Ta Som was present at both of these assemblies or only at one of them? Taron et Taprak never attended the assemblies. Taprak was transferred to Takeo for 3 months. After that, he was arrested. Takeo pour 3 mois. I was not sure how long Taron was there in the Tramcock. And I knew that Taron went to join the assembly in Phnom Penh, and he was hit by the train. Et qu'il s'était fait heurter par un train. Est-ce que quelqu'un a remplacé Taron? Did anyone replace Taron après qu'il ait eu cet accident? After that accident. Answer. Tatet replaced Taron. I did not know his full name. Je ne connais I knew only Tatet. And after Tatet was transferred to any Tatit other place, Tatet replaced Tatet. Bon, je vais en rester là, je comprends bien au niveau des dates que c'est compliqué de se souvenir 30-40 ans après. Quite difficult to remember the dates 30 years revenir aux personnes However, qui critiquaient ou qui s'opposaient à l'Anka dans les communes Anka de Ninyang et de Sri Ronan. Ninyang and Sri Ronan communes. Et pour rappel, vous avez dissocié la réponse 30 de votre procès-verbal E3/55/21. Vous avez dit les gens qui n'étaient pas en accord ou qui ont exprimé une opposition quelconque ont été envoyés suivre des sessions d'instruction. Et tous ces gens en question, on ne les a jamais vus revenir. Never came back. Free translation.
Avant la pause, so before the break, je voudrais remettre I would like aux témoins to et faire afficher un document, to the witness a document à l'écran, as well document as to display it on the monitor. This is document E3/4098. Avec votre autorisation, Monsieur le Président. With your leave, Mr. President. President, you may proceed. Président, je vous en prie. Alors, les IRN en Khmer 0027-1030 jusque 31. En anglais 0032-21-14 jusque 1-5. En français 00-62-32-38-37 jusque 38. Il s'agit d'un rapport daté This du 4 août 1976 envoyé au parti du district par Anne, le directeur de Krang Tachan, au sujet d'aveu de prisonniers. Regarding the arrival of prisoners. Ce rapport discute notamment le cas d'un prisonnier de la commune de Ningyang appelé commune, Torn, called Tone, Tin, donc Torn, T-O-A-N, T-O-A-N, T-E-A-N, T-E-A-N, Tone, Tin. Dans ce rapport, on peut voir and qu'il a émis report, des critiques, qu'il aurait manqué de respect au régime durant une réunion for the de la commune, during a commune meeting, et qu'il aurait été invité par des collègues à fuir en Thaïlande. Encouraged by colleagues dans le to coin escape gauche, to en Thailand. Haut de ce rapport, figure une annotation of this report, there is a note qui dit ceci, which says the following, je cite, « Après l'interrogatoire, il faut exécuter. To be interrogated, then smash. » Fin de citation. End of quote. Connaissez-vous cette personne dénommée Thorn Tin, qui, avant le régime du Kampuchea démocratique, travaillait comme vendeur de médicaments dans une pharmacie dans le village de Rusei Srok, dans la commune de Ningyang. In Ningyang commune. Answer. I did not know the person named Tuan Tien. Je ne connaissais pas cette personne nommée Tuan Tien. People call an individual by the name Tien. Mais j'ai entendu des gens parler d'un Actually, I did not know the Tien person named Tuan Tien. Et l'appeler ainsi par son nom. Mais moi, je ne le connaissais pas de Tuan Tien. Est-ce qu'à l'exemple de ce Thorn Tien, just like dont il est dit qu'il a émis des critiques, who apparently criticized the regime, ou ce qui était interprété comme un manque de respect envers le régime, or who demonstrated what was interpreted est-ce que donc as lack of respect for the regime, pour justifier does une that arrestation mean that any, even the slightest amount of criticism, et puis criticism une exécution was par enough la suite. To justify an arrest and then an execution? President, please hold on, Mr. Vinay. You may proceed, Mr. Copé. Le président, Maître Copé, vous avez la parole. Yes, I object to this question. Maître Copé, first of all, the witness doesn't know the document. D'abord, le témoin ne connaît pas. Secondly, ce document. There's a lot of speculation in this answer that these people were executed for nothing. Réponse, qui dit que les gens étaient I think exécutés pour the questions posed by the prosecution should not be leading. And should ne be based on the knowledge of this particular witness. So I object to this particular line of question. Je soulève donc une objection à cette question. Monsieur le Président, je voudrais répondre, étant donné que like j'ai cité ce que le témoin avait dit concernant les gens qui avaient exprimé une opposition quelconque regarding qui people pas who en showed accord. Criticism. Or regarding people who disagreed, and he said that these people were sent to education sessions donc, and that they would never come back. De so si, I think I can à l'image ask de la personne him dont l'histoire figure sur ce document, if
just like les critiques adressées described au in système document, ou au régime if anyone suffisaient criticized pour the system pouvoir or the regime, être arrêté ou exécuté that person, dans would la commune be, dont il executed, faisait partie. In the commune in which that person was living. President, the objection of the Defense Council for Mr. Nguyen-Thieu is overruled. The Chamber needs to hear this testimony, the response from this witness to the last question put by the Deputy International Court Prosecutor. Mr. Witness, you are instructed to give your response to the last question put by International Court Prosecutor. Witness, I forgot the question. I do not recall your question, Mr. Co-Prosecutor. President, Mr. Co-Prosecutor, could you repeat your question, please? Oui, Monsieur le Président. Yes, je voulais vous demander, Monsieur le témoin, witness, si critiquer le régime, criticizing the regime, ce qui était interprété comme lui manquer de respect, showing lack of respect or what was interpreted as such, was this enough to be arrested and then executed dans la commune de Ningyang, in Ningyang commune, ou dans toute autre commune or in any other de Tramcock dont vous avez connaissance, in Tramcock district. Answer. Le témoin. I was not aware of this matter. Je n'étais pas au courant. At that time, I was not staying in Nyanyong. À l'époque, je ne vivais pas à Nyanyong. And the decision was made in Nyanyong commune, the decision was made by the heads, and I did not know about this matter. President, thank you, Mr. Witness. Thank you also, the Deputy International Co-Prosecutor. It is now convenient time for break. The hearing will resume at 5:05. Court officer, you are instructed to find a proper place for Mr. Witness and also for the duty counsel and have them returned before 3:05. The court is adjourned. 5:05.